Alléluia, paix et joie. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Shalom, favori de Dieu. Shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, oint de Dieu. Je te salue dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, j'ai envie de te partager quelque chose. Bien-aimé, bien souvent, dans notre quotidien, nous avons tendance à nous quereller entre nous, à parler mal du frère ou de la sœur. Et même parfois pendant la messe, quand on demande de donner la paix de Dieu, nous voyons des gens qui ne veulent même pas regarder d'un côté parce qu'il y a quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas, qui est là-bas et qu'ils ne veulent pas saluer. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. C'est que partout où tu es, tu représentes Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'amour incarné. Et en ce matin, nous allons lui demander de nous remplir d'amour, afin que nos paroles soient des paroles d'amour, afin que nous puissions regarder comme lui, avoir ce regard d'amour envers le frère et la sœur. Et quand nous avons quelque chose envers le frère ou la sœur, qu'il nous donne la force d'aller lui parler, car ce qu'il nous demande, de nous corriger entre frères et sœurs, mais tout cela de le faire dans le secret, de ne pas dénigrer son frère ou sa sœur en public. Et bien aimé, c'est ce qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui, de nous remplir de son amour. Oui, ton amour Seigneur, qu'il environne nos cœurs, qu'il environne nos vies. Oui, nous voulons vivre d'amour, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le disait. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Bien-aimés, nous allons dire, proclamer en ce matin, que dans le cœur de notre foyer, nous serons l'amour. Dans le cœur de notre vie professionnelle, nous serons l'amour. Dans le cœur de mon business, je serai l'amour. Dans le cœur de mon école, je serai l'amour. Partout, Seigneur, où tu me conduiras, je serai porteur d'amour. Car c'est à cela que tu m'as appelé et c'est ce que je veux. Oui, ton amour, Seigneur. Ton amour, hey, ton amour, ton amour veille sur nous. Ton amour, ton amour est tout. Pour quelconque raison, toi tu étais là. Oui Seigneur, car tu es fidèle à ta parole
et tu dis que tu m'aimes. Tu m'as montré, Seigneur, que tu m'aimais. Sur le bois de la croix, tu t'es donné pour moi. Oui, Seigneur, personne ne peut m'aimer comme toi, tu m'as aimé. C'est pourquoi, en retour, je veux te rendre cet amour envers le prochain. Oui, car tu as dit que tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Et que tout ce que nous ferons à notre prochain, c'est à toi que nous le faisons. Apprends-moi, Seigneur, à vivre cet amour vrai. Cet amour que toi-même, Seigneur, tu donnes. C'est ce que je veux donner. Je te demande de me donner cette grâce, Seigneur, en ce matin. De pouvoir vivre d'amour, de parler d'amour, de regarder avec amour, d'agir avec amour, partout où tu me mèneras, Seigneur, afin de glorifier ton nom. Oh, oh, oh Jésus. Mmh. Oui, le monde est comme un fleuve qui m'emporte tout au long. Les soucis, les peurs, déclarer avec moi encore. Oui, le monde est comme un fleuve qui m'emporte tout au long. Les soucis, les pleurs, les joies, le bonheur, tout ce que j'ai de celui qui m'a aimé le premier. Celui qui m'a aimé le premier. Celui qui est mort à la croix pour moi. Ton amour, Jésus, me suffit largement, me donne la paix. Merci, Seigneur, que ton amour demeure en nous, Seigneur, et que nous en soyons le porteur chaque jour, partout où nous sommes, Seigneur. Se glorifier et montrer que c'est toi-même, l'amour incarné, l'amour personnifié qui vit en nous. Fais de nous des porteurs d'amour partout où nous sommes, Seigneur. Remplis nos cœurs, guéris-nous de nos blessures, afin que nous puissions aimer comme toi tu aimes. Toi qui es le Dieu miséricordieux, tendre, bon, grand, qui mérite d'être loué, glorifié, acclamé et magnifié. Dieu Père, Fils, et Esprit Saint. Alléluia.